Oh, j'ai entendu un double Roger Big que je connais bien. Attention 9 et bravo Charlie 555 pour 14 kilobytes 3301 Rémi. Oh oui monsieur. Ouais. Les 73 51 frangin 9 bravo Charlie 555 la voix des ondes du Québec. C'est vrai que c'est pas top aujourd'hui. Et là, là de mon côté, là, comme tu as pu le voir, j'ai 3 tonnes de QRM, quoi. ça crépite dans tous les sens. Je sais pas d'où ça vient. C'est bizarre aujourd'hui. C'est dans le fond de la boîte. Ah, peut-être que là maintenant la boîte s'est percée à force d'être dans le fond et que ça passe peut-être mieux. Ah oui, bon ben effectivement, hein, la boîte s'est percée et puis là d'un seul coup ça passe. Oui, j'ai vu ça, je plaisante. Mais effectivement, j'ai vu ça. Hein. Là, quand je me suis levé, là, tout à l'heure, j'ai regardé un peu à droite, à gauche. Il y avait des voleurs de fréquence, là, ici, tout à l'heure. Puis ailleurs, bon, c'était moyen. C'était... Ouais. Ouais, 100% QSL. C'est ben toi là de mon côté là. Ben depuis tout à l'heure que je t'ai envoyé la petite vidéo là en perso, ben t'es le premier que j'entends sur la fréquence. Enfin sur cette fréquence là. Et là tu m'arrives entre 4-3 et 5-7. Ouais, c'est ça, oui. Entre 4-3 et 5-7. Et zut. 5-7. Ouais, 5-5, 5-7. Ah ben tiens, tu parles de ça, je vais même pas regarder la température là, de mon côté. Mais là, cette nuit, j'avais 2 degrés. Hein. Là, pas plus, 2. Eh bien, là, ici, moi, c'est du 9 degrés. Enfin, 8-9 degrés. Et il y a une espèce de petit crachin là dehors, et puis une pluie fine là qui tombe là par enfin là c'est pas top. Un temps d'hiver. Waouh, avec mon QRM électrique de mon côté, là, j'ai eu un petit peu de mal.
Oui, c'est ça. Ah ben, tu sais que moi, les QM que j'ai de mon côté, je partage tout, moi. Enfin, presque. Donc, frangin, mes QRM, je les partage avec toi pour que... pour t'en faire profiter. C'est sympa de ma part, quand même. Hachi. Mais c'est vrai que cette année, c'est du grand n'importe quoi. Si on compare à l'année dernière, où là, ça y allait plein pot tous les jours, là, cette année, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et puis, je vois de mon côté, là, c'est l'horreur. C'est vraiment pas ça, cette année. Hein. Puisque, ouais, bon, j'ai le boulot aussi qui fait que je suis pas trop non plus en fréquence. J'aimerais bien y être beaucoup plus souvent. Mais côté réception, côté propag, ah, ça arrive de partout. Mais comme ben, je suis pas aussi intelligent que toi, frangin, je parle que le français, moi. Toi, tu parles toutes les langues. Le chewing-gum, les NEMS, non, peut-être pas. Les spaghettis, les macaronis, t'attrapes toutes les langues. Je sais pas comment tu fais, mais bon. Déjà, avec une, des fois, six cotons. Mais alors là, c'est vrai que... Mais oui, comme tu dis, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop francophone. C'est beaucoup pas mal anglophone. Mais bon, j'ai remarqué aussi, il y a pas mal d'OM de la 14 qui font du tri sélectif à ce niveau-là et qui lancent des appels qu'en anglophone. Alors déjà, ça éjecte tous ceux qui parlent pas la langue. Il y a la langue fourchée aussi que tu parles, j'imagine. Ah, chi. Mais bon, la langue fourchée, elle se parle en privé, celle-là. Ouais, ça fait le yo-yo. T'es tombé dans le fond des QRM, là. Ça remonte, ça va, ouais. Pardon. Juste avant que tu te mettes à rigoler, là, c'est descendu à Santiago 3, c'est-à-dire au niveau de QRM que j'ai ici. Là. Wow. Le filtre DSP suffit pas, là. C'est là qu'on voit... que les QRM, c'est avant d'entrer dans le poste qu'ils soient filtrés. Wow. Ok, d'accord. Ah. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller sur les web SDR. Ils vont la pratique pour tout ce qui est
Affirmatif, les 73-51 toits à la frontière franco-belge de 14 km 33-01, Rémi, à côté de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Je viens de démarrer les web SDR, celui-là de Montréal, Laval et celui-là de Ottawa. Mais c'est. Ah oui, je m'entends passer dedans, mais c'est très très calme. Hein. Alors je l'ai entendu, hein, je l'ai reçu, hein, je lui ai même retourné les 73-51. Affirmatif, 14, Kilo Mike, 33-01. Merci pour le retour de micro. Ben, ce coup-ci, là, je t'écoute via les web SDR du Québec-Canada. Puisque là, en direct, là, c'est vraiment pas ça. Là, c'est retombé de mon côté. Tout à l'heure, quand tu es arrivé en fréquence, effectivement, je t'ai entendu derrière, ça, je t'ai répondu et tout. Et là, là, ce coup-ci, c'est uniquement via les web SDR du Québec-Canada que j'arrive à te sortir. Les 73-51 retournés. Ah bah on a parlé en même temps. La frontière franco-suisse, ici, dans les boîtes.
Et ça fait un petit écho entre le poste et le web SDR. Assez normal. Hein. Les ondes, ça arrive, là, ça arrive en direct. Alors que les web SDR, ça passe par Internet. Écho que ça fait dans la connerie, je dirais qu'on se croirait dans la troisième dimension. Oh, tu m'arrives dans le fond de la boîte là, Gilles. J'ai perdu mes QRM et tu m'arrives à un Santiago de 1, 2, pas plus là maintenant. Là, ça fait la yo-yo. Alors, oui, la propague a tourné un peu plus de son côté. Je l'entends à nouveau en direct. Donc j'en profite pour lui renouveler à nouveau les 73-51 en espérant qu'il n'ait pas trop froid de son côté. Du mien, je ne sais plus quelle température j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, c'est une température assez douce. Et il pleut. C'est de la pluie fine, c'est du crachin là qu'on a ici. Ah oui, 8 degrés. C'est le web SDR. Et zut. C'est sur Ottawa qui passe. Claude, tu passes à fond sur le web SDR de Ottawa. Tu passes plein pot dans le web SDR de Ottawa. Les 73-51 à toi, à bientôt. QRX de mon côté, je reviens. De retour. De retour.
Je suis de retour. Je suis de retour, je suis là. Attention la frontière franco-belge, le Québec-Canada pour 14 km 3301. Hey, on m'entend plus là dans la boîte? Ah ben si. Tu en veux de la vitamine, j'en mets de la vitamine. Quoique, je déconne. Bon, là, on se croirait dans la troisième dimension, là, pour le coup. Là. Ça fait le yo-yo. Je m'entends très bon, je m'entends suffisamment bien dans le web SDR de Ottawa. Les stations ne m'entendent plus, je comprends plus rien. Quoi. Hey Gilles, tu m'entends plus, hein? Et la frontière franco-belge, est-ce que ça passe toujours de ton côté? Bon, et du côté de la Suisse? Bon, ben c'est bon, je peux en profiter pour raconter des conneries alors. Bon, tiens, j'ai été jouer à Claude François là dehors sur la voiture de l'XYL. Le bricoler en électricité sous la pluie, y a rien de simple de mieux pour réveiller quelqu'un. Non, je déconne, j'étais juste changer une ampoule. Mais bon, c'est comme ça qu'il s'est fait griller l'autre. Dans quel sens il faut le prendre? Bon, ben ok. Puisqu'il n'y a plus personne, parce que là, du coup, j'ai pas compris les derniers, j'ai pas trop suivi ou compris, peut-être les deux même, les derniers messages de Gilles. Je sais pas s'il est parti chercher un café. Oh, c'est possible. Monsieur Café, il est où? Alors, là, il est 16h15 chez nous. Donc, 10h15 chez lui. Ah oui, c'est l'heure du café, hein. Ok, eh bien, puisqu'il n'y a plus personne, les 73-51, je vais m'occuper de mes affaires de mon côté avant de partir au boulot. Et bonne fin d'après-midi du côté de la 14, bonne fin de matinée du côté de la 9, et à demain, si vous le voulez bien, ou à tout à l'heure, depuis le push. Mais bon, vu la propague, comment aller là, vu la météo et tout ça, oh zut, on verra bien. Ah oui, j'en profite pendant que je suis tout seul en fréquence. Y a pas mal de nouvelles infos là et tout ça, que ce soit en salon, que ce soit en publication, antenne et tout ça là sur le forum La Planète Sibi Francophone. Alors n'hésitez pas d'aller voir ça, ça peut en intéresser quelques-uns. À plus.
Et voilà, j'ai coupé les web SDR. Alors ça rien à foutre ici, ça. C'est histoire de casser les... Comment ils disent au Québec? De taquiner. Ça fait plus poli. CQ X, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France sur la fréquence monitor à kilomètre. Alors, différent de certains groupes qui volent les fréquences des autres, ou alors qui imposent leurs lois, nous autres, si on voit que la fréquence est déjà occupée, ben c'est pas grave, hein. On n'est pas propriétaire de la fréquence, hein. C'est pas méchant, hein. Il y a plein d'autres fréquences, hein. CQ X, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Qui veut un café? L'eau est en train de chauffer. Attention les stations en fréquence pour Dindy 33 qui lance appel. Alors ce qui est marrant, c'est que le modulomètre, il marche pas en AM. Curieux ça quand même. Mais bon, c'est d'origine. Attention les stations en fréquence pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Du côté de Castillon-la-Bataille. En DX, je dis ça t'es million parce que je sais pas pourquoi, mais ça, les gens connaissent mieux. Question la bataille, ça leur parle pas. Wow. Il a des problèmes de digestion, lui. Vous voyez, à chaque fois, dès qu'on descend vers le bas du 27 mégas, il y a une super propague. Parce que là, on est quand même en AM.
Ah, mais Sertrude est peut-être partie déblayer la neige. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. This morning, I've seen the mornings where just everybody's locked in there, big nine plus, but not necessarily the case this morning. But we've got a nice day started here. Adolph, it's sunny and dry, a little cool, of course. It's December, it's supposed to be cool. Hot dirt, down water, and when you order the box, he gives you the switch. Yeah. He gives you the switch and the fan. Oh, okay. And no, the only thing I did, Scott, I drilled the hole for the switch. Yep, I got it. Make those anymore. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.